c'est moi, Pauline. Je suis architecte paysagiste depuis presque 10 ans. Et ma passion dans la vie, c'est de sauver vos jardins. Pour cette nouvelle mission, je suis chez Les Lefeuvre et on s'attaque aujourd'hui au jardin tout en friche. Alors, c'est beau, hein, mais le problème, c'est que les herbes sont un peu plus hautes que le petit Julien. Bah, il est où d'ailleurs? Julien? Je suis là, Pauline. Alors là, on a un problème. Mais à chaque problème, j'ai une solution. Et pour cela, j'appelle Ethan, Manon et Adeline à la rescousse. Bon, les petits amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un jardin en mouvement? Non, jamais. Ça vous parle pas? Non. Bah, c'est un jardin en mouvement. L'idée d'un jardin en mouvement, c'est un espace laissé au libre développement des espèces qui s'y installent pour maintenir la diversité biologique. Alors, la première étape, on délimite la zone. Alors Adeline, tiens, je vais te donner avec Manon un piquet, okay. Le début de la ficelle, parce qu'avec Ethan, on va partir à l'autre bout, jusqu'au grillage, pour délimiter la zone qu'on va tondre et l'autre qu'on va laisser en friche. Deuxième étape, on débroussaille tout le long de cette ligne afin de créer un véritable espace. Moi, je vais avancer le long du cordeau et je vais donner sur 2 mètres de largeur une grande zone que je vais déjà débroussailler pour qu'on ait bien la différence entre la friche qu'on laisse et la partie qu'on débroussaille. L'avantage de la débroussailleuse, c'est qu'elle n'arrache pas que les herbes, elle attaque aussi les ronces. Bon, et puis c'est moins fatigant que défricher à la main, on va pas se mentir. De son côté, Adeline, elle, va manier le coupe-bordure. Plus fin que la débroussailleuse, il a l'avantage de faire un travail plus précis, notamment sur les bordures. Alors Adeline, l'avantage sur cette machine, c'est que généralement, on le sait, ce fil-là, il n'est pas magique. C'est-à-dire qu'il s'use à force de rencontrer des tiges un petit peu plus denses et plus rigides. Du coup, il va avoir tendance à se raccourcir. Et nous, il nous en faut pour que ça coupe. Cette machine te permet de ne pas t'embêter. Pendant que tu travailles en marche, ça tourne, tu te rends compte que ça coupe plus très bien. Hop, tu tapes la base de ta tête auto-cut. Comme ça. C'est cette partie donc là. Là, le fait de la taper au sol, ça l'appuie et ça fait sortir automatiquement du fil. Troisième étape, on va créer un chemin. Alors là, comme les herbes sont très hautes, on le fait d'abord à la débroussailleuse, puis on peut passer la tondeuse. Alors mon loulou, je vais te montrer quelque chose de sympathique, ça va te plaire. Si tu veux garder un chemin toujours joli, bien dense et bien ras pour se différencier du reste, eh ben, il faut passer régulièrement la tondeuse. Mais c'est rigolo, c'est comme si tu allais te promener, sauf que tu as une tondeuse devant toi. Dans notre cas, c'est une tondeuse hyper légère et facile à manier. Si bien que je propose à Ethan de s'en charger. On appuie sur le bouton jaune et on ramène la manette. Ok. Alors tu vois, voilà, là, on peut jouer sur la hauteur. Du coup, nous, on a une herbe qui est un peu basse parce que je viens de la tailler, donc on la met à ce niveau et c'est très bien, comme ça. Et hop, on crée son petit chemin et puis d'une année sur l'autre, on peut le modifier. Rigolo, non? Enfin, pour rendre le tout plus joli et marquer visuellement le chemin, on plante tout le long avec des fleurs, des plantes, des coquelicots, des miscanthus, ce qu'on veut, quoi. Et voilà le résultat. Eh ben, je suis pas mécontente de mon jardin en mouvement, moi. Mais l'important, c'est surtout qu'il plaise au petit Julien. Allez, je passe le test. Maintenant, avec Lulu, tu vas pouvoir aller te promener tout seul comme un grand. Tu veux la prendre, la petite promenade? Tu veux y aller? Eh ben, vas-y, regarde, je te suis. Vas-y, tout seul comme un grand. On dirait que ça fonctionne. Est-ce que tu es content? Oui. On peut dire que c'est un succès. On a encore bien bossé. Et dans le prochain épisode, on s'occupe de la petite Manon pour lui créer un chouette endroit. Et vous verrez, on va avoir quelques surprises. Salut, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, cliquez juste ici.